Dieu parle à travers son serviteur, le sacrificateur Bangé Kessé. Bonne écoute. Je me retrouve dans un pays. I find myself in a country. Il y a un homme fort dans cette nation. There is a strong man in that nation. Il y a un homme fort qui a régné sur ce pays. A strong man ruled that land. Et le temps marqué qui lui a été assigné est arrivé à son terme. And the set time by God given to him was at the hand. Et l'homme fort. And the strong man. Veut forcément s'attacher au trône de ce pays. Wanted to stick on the throne anyhow. Et pour y arriver. In order for him to do that. Il s'est attaché les services de plusieurs nations. He used the service of many nations. Et il a mené la bataille. He fought the battles. Il a atteint la limite. Got to the hand. Il a presque réussi de franchir la barrière. Almost he went ahead the line. Lorsque soudainement, when after the blue, l'inattendu s'est produit. Yeah, this produce. Et cet homme a été pris au piège. That man was trapped. De son orgueil. Of his pride. Et alors, therefore, je vois les peuples et les nations. I see people and nations s'exprimer et s'exclamer en disant, saying these. Est-ce donc toi? Was it you? Est-ce donc toi? Was it you? Qui perturbait tant la nation? Disturbing the nation for so long. Et les mêmes nations et les mêmes peuples. And, immense sound the way, and the same nation and the same people. Qui l'avait accompagné dans sa lutte. Who assist him in this fight. Lui ont tous donné tout. Turn back to him. Et les nations se sont concertées. Je les vois se concerter. And the same nation all together in the whole land, I see them gathering again. Que ferons-nous? What shall we do? Parce que l'homme fort est tombé. Because the strong men have fallen. Et c'est les certains qui disent, mettons-nous encore ensemble. They say, okay, let Macarabas up again. Il est bon de voir de bras. Qu'est-ce que mon Satan? Se prophétise sur les nations. I prophesy over the nation. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église et l'Esprit dit aux nations. L'Afrique de l'Ouest sera balayée par un vent de transformation, un vent de l'éternel est en train de souffler dans l'Afrique de l'Ouest parce que Dieu veut briser le joug de la servitude. Let the one God hear. Listen to what the Spirit said to the church of the nation. And ce, qui commencé, ce qui a commencé en Afrique de l'Ouest ne va pas s'arrêter, ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que l'Éternel accomplisse son objectif. What started in West Africa won't stop until the Lord has fulfilled his plan. Écoutez-moi, cela ne te peut pas être notre politique, ça ne te peut pas être qui que ce soit. C'est le dessein de Dieu pour l'Afrique. C'est le dessein de Dieu pour l'Afrique. C'est le dessein de Dieu pour l'Afrique. Parce que le fort doit tomber et le fer doit être relevé. This is the plan of God in Africa. Because the strong must collapse and the weak shall be risen. Les méprisants vont relâcher. The mighty hand are released. Et les faibles seront fortifiés par le bras du and Seigneur. Shall be strengthened. Mais écoutez-moi, écoutez-moi. Tout ce que nous voyons, 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 l'Éternel les mettra à l'écart. Say, listen, listen. Everything you see, the Lord gonna put them aside. Une source nouvelle que Dieu a préparée va prendre la relève. A new source that the Lord has prepared gonna come up, take the. Si le l'Afrique sera nettoyée du joug de la servitude. Du joug de la servitude. Amen. Le joug de la servitude. Amen. Africa shall be cleaned out from the yoke of slavery, yoke of bondage. Et de là partira l'épanouissement spirituel
économique. That will bring about the spiritual and the economic growth of nation. Un nouvel ordre économique, un nouvel ordre politique, un nouvel ordre social va naître. A new social, political and spiritual order will take place. Ainsi les ténèbres préparent l'enlèvement de son église. Because this is the way the Lord is preparing the taking up of his church. Et les ténèbres va tourner les cœurs des peuples et des nations à lui. Je vous dis, écoutez-moi, je vous dis, fils, je vous dis, même les nations dans lesquelles l'islam a pu avancer, ces nations connaîtront une visitation de la puissance du Saint-Esprit. Listen to me, people. Listen, listen. The Lord gonna turn the heart of nation to him. Even to the Muslim nation, the Lord gonna raise his own people. Un nouvel ordre économique, un nouvel ordre social, un nouvel ordre politique a été préparé par le Créateur. A new political, social and economic order has been prepared by the Creator. Et l'Éternel, avec le temps et la circonstance qu'il a prévu, mettra les choses en place. Écoutez-moi. Je vous le dis et je vous dis la vérité. Beaucoup d'hommes politiques vont tomber. I'm telling you the truth. Many political leaders are going to cut down. Dans les pays africains, beaucoup d'hommes politiques vont tomber. Il va y avoir un nettoyage. Beaucoup vont tomber. Many political leaders in Africa are going to die. Allez-y, notez la prophétie, attendez. Go and sign up the prophecy and listen. Car l'Éternel s'est levé sur son trône. Because the Lord has stood up upon his throne. Le temps des nations a pris fin. Time of nations have come to the hand. Le temps des nations a pris fin. Time of nations have come to the hand. Et je vous dis, chers frères et sœurs, les choses les plus sales, les choses les plus souillées, les choses les plus honteuses qui ont été faites dans le secret, par les gouvernements, par les gouvernants, vont paraître au grand jour. Now I'm telling you, the more dirty, ugly, stinking things done in secret by people, by nation, by government, gonna come up in the full days. La main de l'Éternel est déjà au travail. The hand of the Lord is at work. Vous savez quoi? You know what? Fils, tu sais quoi? You know what? Parce que l'Éternel veut détruire le règne de la franc-maçonnerie. Because the Lord will not destroy the rule of Freemason. Alléluia! Dieu veut détruire le pouvoir, le règne de la franc-maçonnerie et du nouvel ordre mondial. The Lord will not destroy the order of the new world order and the Freemason. Et Dieu veut faire une ouverture. And the Lord will give a breakthrough pour l'église, for the church, pour que le vent souffle, so the wind to blow, le vent de la conversion, the wind of salvation, le vent du salut, the wind of salvation, le vent de la restauration, the wind of restoration, le vent de la délivrance, the wind of deliverance. Ma carapace, Jesus. Le vent va souffler. Wind gonna blow. Des petites églises seront visitées par la puissance du Saint-Esprit. Small church gonna be blown away by the power of the Holy Ghost. Des petits pasteurs seront visités par la puissance du Saint-Esprit. Small pasteurs gonna be blown away by the power of the Holy Ghost. Écoutez-moi, je parle sur les nations. Je prophétise pour les nations d'Afrique. Listen, I'm prophesying about the nation of Africa. Le feu qui est descendu à la Pentecôte descendra sur l'Afrique. The fire will break up at the day of the Pentecost gonna come down in the west. Des petits pasteurs. Small pastors. Des petits prophètes. Small prophets. My God must kill the mode with the press. Il monte. Massacrez. Les hommes et les femmes seront visités dans la maison. Men and women shall be visited in the house. Une personne qui sera en train de prier va connaître la visitation de l'Éternel. Somebody gonna be praying and the Holy Ghost gonna come down. Deux personnes qui sont en train de prier vont connaître la visitation de l'Éternel. Two people together praying gonna see the visitation of the Lord. Quatre personnes qui sont en train de prier vont connaître la visitation de l'Éternel. Three people praying gonna know the visitation of the Holy Ghost. Écoutez-moi. Listen to me. Ministries qui n'ont jamais apparu dans le monde. Who have never been seen before. Des ministères. Ministries qui n'ont pas encore apparu dans le monde. Never seen before. Vont apparaître dans ces derniers temps. Will come now. Des hommes, des jeunes gens que Dieu
nation. Men and young men that the Lord gonna raise to demonstrate the power of Holy Ghost in another dimension. Je vous le dis, allez-y annoncer que le sacrificateur du Dieu tout puissant annonce ces choses. Now go and tell people the prophet and the Almighty God said these things. Que tu le crois ou pas, écris la prophétie parce que le temps est déjà arrivé. Believe or not, write down the prophecy because time has come. Les gens seront touchés dans les champs, dans les campements. La puissance de Dieu va se manifester. People are gonna be touched in village and compound. The power of God gonna be manifest. Et le sommet de nos états sera touché par la puissance de l'évangile. And the leadership on our stage shall be touched by the Holy Ghost. Et beaucoup de gouvernements seront influencés par la parole de Dieu. All the leaders of the world will be influenced by the word of God. Les lois et les constitutions vont être rétablies sur la base de la parole de l'Éternel. Constitution and law shall be written based on the Bible. Parce que Dieu va faire une ouverture. Because God will give a breakthrough. Pour que l'Église entre en scène. So the church come on scene. Et que l'Église occupe le sommet. So the church shall be on top. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Thus speak the Lord God. Le combat dans lequel vous êtes Afrique de l'Ouest, le combat est mon combat, dit le Seigneur. The battle where you are, West Africa, that battle is mine, say the Lord. Le sang politique est arrêté. Un sang spirituel est combat à le monde des Illuminati et Jésus-Christ le ressuscité. The political world has become a field of battle between Jesus Christ and the darkness world. Et Dieu ôtera le sceau à Lucifer. And Lord will shut him up to Lucifer. Et Dieu arrachera la couronne. And God will take the crown. Et le Fils de l'homme agira dans les nations. And the Son of Man shall act in the nation. Et l'homme se tournera vers le Créateur pour reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. People shall turn toward the Lord to seek for the Lordship of Jesus. Allez-y annoncer la prophétie. Go and say it to the prophecy. Dites à ceux qui attendent que l'heure est arrivée. Say them the time is up. Ce qui s'est passé à la chambre haute. What happened at the upper room. Va se reproduire. Will come there again. Mais dans une autre dimension. But in a different dimension. Parce que je vois le vent. Je vois un vent puissant. Je vois un vent puissant. Qui est en train de balayer toute l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest. Et qui va jusqu'à l'Afrique centrale. I can see the mighty wind. Blowing up all West Africa after the center in the east. Et bien aimé, je vois les déchets qui sont en train d'être balayés par ce vent. I can see stains, rubbish being blown away by this wind. Et un nouveau est scellé par le vent du Saint-Esprit. A new seal is sailed by the wind of the Holy Ghost. Où la conversion sera facile. Where salvation of people shall be easy. Où la repentance sera facile. Where repentance shall be easy. Où la délivrance sera facile. Where deliverance can be easy. Car le temps des nations est terminé. Because time of nation is over. Ainsi a parlé celui qui m'a envoyé. Thou speak the one who sent me. Celui qui était. The one who was. Qui est. Oui. Et qui vient bientôt. Who is come. Jésus Christ. Jesus Christ. De Nazareth. Of Nazareth. Dieu parle à travers son serviteur, le sacrificateur Bangé Kessé.